Je pus lire les pensées des personnes. J'étais moine bouddhiste. Entre autres, j'ai pu quitter mon corps et être cliniquement mort aussi. Faire des voyages astrales. Satan m'a parlé lui-même. J'ai entendu des voix de l'au-delà. Toute ma vie était dans le paranormal. J'ai jamais vécu comme les autres personnes. J'étais d'ailleurs chez des maîtres sorciers au Mexique. Je suis entré par exemple dans une secte. Jésus qui m'avait parlé aussi. J'ai eu cette force d'être invisible. J'ai vécu des choses en dehors de ce que les gens peuvent comprendre parce que ce n'est pas dans la tête. Et dans le négatif et dans le positif. Ça depuis que je suis né déjà. J'ai vécu, je ne sais pas, je n'ai pas choisi ça. Je peux simplement raconter ce que j'ai vécu. Ma mère était déjà préprogrammée, si je peux dire ainsi, par l'occultisme. Et à 6 ans ou à 7 ans, je me rappelle, tout petit déjà, j'allais au cimetière pour chercher le contact avec les morts. Et j'ai joué avec les corps morts. Et j'ai appelé les esprits de l'au-delà, s'ils existent, qu'ils me donnent de l'aide pour m'emmener vers un amour que je cherchais, que je n'ai jamais eu. J'ai deux frères, ils ne s'intéressaient pas du tout à ce monde. Il y a un monde invisible. Ils voulaient faire la carrière, mais moi, ce qui m'intéressait, de savoir d'où je viens, où je vais. Alors, c'était une magie en moi. Magie. Qu'est-ce que je fais sur cette planète? Chaque fois qu'on a une expérience, on a soif pour savoir plus. Surtout quand on se réalise que c'est quelque chose qui fonctionne. Par exemple, une voix me dit, quand je vivais en Inde, maintenant je vivais à Calcutta. Tu vas de Calcutta à Puri, c'est une ville au sud, tu arrives là-bas, et puis maintenant tu vas au sud-est, comme ça, tu quittes la ville, tu vas rencontrer telle et telle maison, et tout ça, c'était réel. Alors là, on est fasciné au début, sans savoir à quelle force on a affaire finalement. Est-ce que c'est une force qui nous veut du bien? Est-ce que c'est une force qui nous veut du mal? Ça, il n'y avait pas, mais par intérêt, on y va. Dans la méditation, j'entrais en moi et j'ai aperçu des mondes d'un côté très splendide, une beauté aussi, mais d'autre côté aussi des choses horribles. Mais la plus intense, c'était la rencontre avec Jésus, parce que quand il m'a parlé, c'était à la cathédrale devant, il y avait 3000 personnes à la cathédrale, je dirais que c'était plein. Ce qui m'a touché le plus, c'était premièrement d'entendre la voix audible et plus fort encore, la présence d'amour. Et il y a un tel amour indescriptible, ineffable, comme ça, qui m'a englobé, qui m'a emballé, magnifique. C'était tellement fort. Et troisièmement encore, ce qui était fort, c'est les phrases qu'il m'a dit. Premièrement, il m'avait dit, il m'a pardonné mon passé, parce que j'ai fait beaucoup de choses injustes, même sales ou salauds, et puis il m'a pardonné ça, et il m'a dit en même temps, avec une autre phrase, n'aie pas peur, dans mon nom tu seras toujours plus fort.